Ce mercredi 19 avril, Squeezie a poussé un gros coup de gueule sur Twitter. Et pour cause, le youtubeur n'a pas supporté que des internautes s'en prennent à une jeune femme ayant participé à sa dernière vidéo. Publiée mardi 18 avril, la dernière vidéo YouTube de Squeezie fait beaucoup parler. Accompagné des streamers Gotaga et Kameto, le youtubeur N1 en France a invité des internautes, qui ont été bannis de sa chaîne Twitch en raison de commentaires déplacés, à plaider leur cause dans un tribunal. L'occasion pour lui d'alerter sur les dangers liés au harcèlement en ligne. Insulter sur Internet, ce n'est pas drôle. Le cyberharcèlement, ce n'est pas marrant du tout. Je le précise parce que nous, on arrive à en rire, mais en vrai, ce n'est pas marrant. Point, le but de ce format n'est pas de pardonner, au contraire, c'est de se rendre compte de la différence entre un humain dans la vraie vie et comment il se comporte en ligne quand il est anonyme, a-t-il tenu à expliquer au début de sa vidéo. Une participante de la dernière vidéo de Squeezie attaquée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Squeezie a également invité des viewers modèles, soit des spectateurs au comportement irréprochable, parmi lesquels se trouvait une jeune femme prénommée Audrey. Loin de se laisser intimider, cette dernière est intervenue à plusieurs reprises pour démonter les arguments des internautes venus se défendre auprès des trois streamers. Une attitude qui lui a valu d'être la cible de nombreuses critiques sur Twitter, où elle a été injustement attaquée sur son apparence physique, voire même violemment insultée. Trouvez-moi une personne plus détestable qu'elle par pitié, a notamment écrit un utilisateur du réseau social à l'oiseau bleu que Squeezie n'a pas hésité à remettre à sa place. Furieux, Squeezie pousse un gros coup de gueule face à la campagne de harcèlement menée contre Audrey. Squeezie a poussé un gros coup de gueule dans un tweet publié ce mercredi 19 avril. Ça y est, une femme donne son avis, très pertinent, sur des comportements toxiques et tous les détraqués de ce réseau en font un bouc émissaire. La vidéo dénonce exactement ce que vous faites ici, insulter, bâcher et harceler, parce que c'est anonyme. Remettez-vous en question, cesse d'emporter l'ancien acolyte de Cyprien, qui a signé une tribune sur la régulation du secteur de l'influence, dans un tweet qui a récolté plus de 60 000 mentions j'aime en seulement quelques heures. Ça y est, une femme donne son avis. Très pertinent, sur des comportements toxiques et tous les détraqués de ce réseau en font un bouc émissaire. La vidéo dénonce exactement ce que vous faites ici, insulter, bâcher, harceler, parce qu'on est anonyme. Remettez-vous en question https://t. G5GVAGBEB, M8Squeezie@TheSqueezie, April 19, 2023. À lire aussi Squeezie, le youtubeur numéro 1 en France annonce son plus gros projet.